une conférence de presse au Palais National pour reprendre Lombarde, notre rédacteur. C'est un discours, c'est une adresse à la nation planifiée avec des journalistes. Je respecte, mais je vais voir comment il va faire pour présenter Baïssa. Et, comme d'habitude, m'a permis tête-moi pour me dire deux trois bagages sur le discours. Attention, excusez-moi, ce n'est pas de l'arrogance, mais tout simplement une facilité pour comprendre le discours, puisque soit habitué à comprendre, on dit ça. Pour le bagage qui vient, le président dit, il a démissionné. Dans le discours. Scoop! Haïti débat. Parce qu'elle dit, sous dit ou voulez un départ ordonné, franchita avec, et puis démission qui arrive. Mais elle va dire, le pape démissionne. Maintenant, clé, ça qui est important dans le discours, monsieur critique le système, et monsieur a identifié deux familles bourgeoises dans le pays. C'est ça qu'elle dit, suivez mon regard. Deux familles bourgeoises que coupe le contrat, et c'est ça qu'à la base de tout mouvement de contestation, de revendication contre l'île dans la rue. Et c'est ça qui fait tout. Dès le départ, il n'y a pas jamais qu'à réaliser un rien parce que Nexayo a mis bâton dans le rôle. Ça, c'est famille bourgeoise. L'identifier des mouns de la Tibonie qui dégagent un contrat. Et tout le monde qui est-ce qui te gagne des contrats, je dis à qui dans la rue contre lui, cap mandel pour l'aller. Contrat canal la Tibonite, zone poissonde, la grange, côté nous t'as allé à Mako, songez. Bon. Et monsieur, dénoncez ce système là. Ça c'est, l'élève a dénoncé ce système là pour dire mais qui contrat, mais qui s'est capacé. Mais tout vous êtes-il de poser la question, M. Bayen Courage Bouzil et son président, bien comprendre que le bagage cité non. Même j'ai avec journaliste, nous ne pouvons pas citer non nous-mêmes. OK? Mais je ne dis pas comme vous venez sur mon regard. OK? Mais monsieur a parlé. Il m'a dit, vous voulez faire nous comprendre, c'est mon position, après m'a dit ça, monsieur a dit. Avec, et de manière succincte pour nous-mêmes, nous ne comprendre. Parce que nous étions capitaine des discours, nous ne pas comprendre tout le bagage. Et je me dis tête comme si je me dis tête ok, je comprends tout le bagage. Je vais essayer de comprendre ensemble avec nous. Avait dit, monsieur, critiquer deux familles bourgeoises. Une qui a un contrat de 220 millions que monsieur coupait. Okay? Et puis, la même famille, ça a tout un contrat pour faire service. Ok, qui presque coûtait 891 millions 1000 par mois. Qui a un contrat pour 10 ans, monsieur coupait. C'est normal pour gagner l'on coupe comme ça. Monsieur dit, c'est normal pour gagner qui compte. Mais monsieur dit, qui attire l'attention, mais avant mal à l'autre question, monsieur parlait des héritiers du système. Des gardiens et des héritiers du système. Qui voulaient reproduire, ça veut dire, monde qui gagne contrat, qui gagne l'argent, qui a utilisé l'État haïtien, et qui système ne facilite ou fait l'argent, le monsieur est venu pour le couper. Il est venu façon qu'on y a ces mêmes gens qui ont reproduit le système et qui ont demandé d'aller. Aussi simple que ça. C'est une lecture intellectuelle de du discours du président. Par contre, si Libéus a fait Tibaï Zao, on va pas baptiser pour faire. Donc, vous êtes salué, vous n'êtes pas dit, je critique. Et son aspect, je descends toujours. Monsieur dit, monsieur a attaqué Kounia, deux mounes, jusqu'à trois. L'attaqué ou nègre qui est dans le secteur pouvoir, car la politique, l'attaqué ou sénateur de la République, et l'attaqué ou nègre qui est dans le secteur sous-traitant. Monsieur dit prêt, 60% vous m'allez, prêt pour vous, 3%. Kounia, monsieur dit, patron riche, patron fini riche, s'ouvrir. Hein? Pas trop fini. Ça veut dire l'attaque au nègre qui est dans le secteur ça. Et tout le monde, ouais,
de qui nous n'a parlé pas, mais pour venir faire mon connaître, c'est qu'à passer. Monsieur dit, les monsieur mettent crédit à tes plates là. Attends, quand il y a monsieur attaqué, ou n'est dans la classe dominante qui est banque. Monsieur dit crédit à tes plates là, il a fait, il a pété 25 000 gouttes, je n'ai pas eu de ça, Marco. Il dit, mais si un petit crasse comme ça, vous avez Marco, qu'on est pas prêté. Mais nous ne connaissons qui contient qui vient, on va faire un petit crasse comme ça. Monsieur dit, il a pété l'ETA 1%. Négla l'en palais, il vient de côté, il dit 5%, mon pas de problème pour payer, quitter à faire 5%. Et Négla, c'est un équipe secteur bancaire qui ses amis, monsieur. Ok? Vous remarquez que je ne vais pas citer nous. Donc, Jovenel attaqué, une question pour un sénateur ou plusieurs sénateurs qui prêtaient comme. Et il dit c'est même Négla qui a demandé pour le système de continuer. Toujours Jovenel, troisième, Nabdesson. Et monsieur, après, pour une question. Monsieur dit, bon, attendez, non. C'est une élection pour aller pour pouvoir. Et monsieur, qu'on ait revendication au peuple légitime. Monsieur dit, il fait 2 ans, il y a un. Monsieur dit, budget de la République n'a pas jamais bien ventilé. Parlement pas jamais prémission. Quoi que vous parlez prêté, plusieurs milliards que vous parlez prêté là, FMI, BID, etc., et Banque Caribéenne, FIDA, USAID, monsieur dit comme ça, il n'y a pas qu'à joindre, malgré le projet que vous avez gagné, il n'y a pas qu'à réaliser, parce qu'en fait, pas jamais un gouvernement, il nomme 2 gouvernements. Il met la paix, il met Michel, mais il va embasser. Mais le président n'a pas dit, si Jean-Henri était là, c'est lui qui permet qui fait Jean-Henri tomber. Parce que monsieur dit, mais même discours, il a jeté pour le ministre. Ça veut dire, monsieur, tout attaqué, député, ok, jeté pour le ministre. Il bat un coup, comme d'habitude. Il dit, ok, jeté pour le ministre, c'est eux qui fait. Bah, comme ça va réaliser, mais il a oublié s'il était applaudi, parce qu'il n'est pas capable avec Jean Rissier. Il faut le président songer ça. Donc, le gouvernement est tombé. Monsieur dit, c'est PM qui l'a. Qui pour faire conférence de presse, pour l'ordre, pour faire l'école, pour faire ça. Monsieur dit, il t'a quitté le pouvoir, tout le bagage est prêt sous table. Et monsieur dit, c'est dialogue. Et puis monsieur dit, attendez, non. Qui t'aime dit, non. Et, t'as un problème dans le pays, là, en 2004. Et puis nous venons plus misérables, nous venons au président Ali. Nous venons plus pauvres. Qu'on a encore en 2016, en 2006, en 1986, oui. Nous voulons tout pour aller et puis nous allons régler un rien avec. Donc le problème, ce n'est pas vous y aller. Le problème, c'est Chita, qui Jean n'a fait ça ensemble. Et M. Tounis pour le dire, un départ ordonné, pas qu'il n'y a aucun problème pour un départ ordonné. Mais il faut une Chita avec. M. dit, il faut que Chita, parce qu'il n'a pas signé. L'aide démissionne comme ça. Monsieur dit, la irresponsable, si le temps est allé, il peut signer l'aide démissionne comme ça. Et je dis à monsieur, dit, situation difficile en pile. Et monsieur dit, imaginez qu'on est en contrat, $891,000 US par mois, $107,000,000 pour 10 ans. Et puis, carrément, et vous coupez. Monsieur dit, pays à peu j'aime l'autre gens. Mais cependant, monsieur dit, forme casé système là. C'est dialogue pour nous faire. Même si le dialogue là, il faut me aller. Nous voulons tout le monde entendre que monsieur t'a dit ça. À l'entendre des discours encore. Mais l'élap dit ça. Bouche monsieur à battre en façon. Parce qu'il ne peut pas dire pour aller. Hein? Il bat en façon. Il dit si vous m'allez, c'est sous table là quand même pour venir chiter avec. Donc, monsieur lance appel au dialogue. Et monsieur dit on ouais, ça nous faire ensemble pour éviter ce système là. Parce que si en 1986, nous te voyons mon aller, pas de gagner un réglé. En 2004, nous voyons mon aller, pas de gagner un réglé. Pour ici tourner, c'est 20 000 hommes de troupes qui mènent tourner. Je dis, c'est le même système qui a proposé encore. C'est le système qui a proposé tête à partir de héritier à gardien que l'identifié n'est qui dans la rue. Donc, les mains des populations, nous parlons pour Chita à tout le monde, pour être capable de construire avec eux. Qui ça va faire demain? Même si c'est pour aller dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 1 mois, mais préparer un départ ordonné.
résumé discours là, c'est comme ça me lit Marco, qui vient ou même qui ça va pas ajouter et qui vient ouais question discours là. Bon, bah quoi, il y a trop de bagaille pour ajouter. Donc l'offin fait résumé ça au fait là des discours président. Presque pas gain trop de bagaille pour m'ajouter. Et sauf que nous-mêmes nous pas venir dire son bon discours, nous pas venir dire son mauvais discours. Nous pas venir dire gain contenu, nous pas venir dire pas gain contenu. N'a juste dit ça que la donne. Et c'est exactement ça ce que tu fais, et c'est ça pour nous comprendre. C'est-à-dire que Gary Bavin dit président font bon discours, ou bien ils font bel discours, ou bien discours pas bon du tout, et pas travail pas nous ça, comme journaliste. C'est discours à nous prendre, et nous résumer. Si nous avons fait analyse autour de quelques points dans discours, nous faisons. Nous juste le public pas nous comprendre davantage ce qui ça dit. Bon, et c'est sûr que le président fait un discours, il y a toujours des gens qui étaient sous soif. Puisque il y a des choses que toujours souhaité que le président dise. Mais il a fait débat ça là tout à l'heure, avant l'émission, nous tous qui sommes dans le panel là. Et le président a des choses qu'il n'a pas dit. Donc le président n'a pas dit. Donc tout le monde prend suivre mon regard là, donc yo kemel, c'est parce que le président que baï qu'il pas qu'a dit et n'a quand même monsieur de faire ça. Et ça qu'arrivé et discours ça t'est doué vinn pi bonheur. Son premier aspect extrêmement important. Discours ça t'est doué vinn pi bonheur, président t'est doué expliquer ça beaucoup plus tôt et n'a pas appelé tout le monde. Que ça m'a quoi faire là, son continuité par rapport à l'analyse, évidemment. Ça me fait faire qu'on y allait pour l'autre angle pour montrer nous avons des points de vue pluriels sur une même question. Voilà, sur la même question. Maintenant, discours a été devenu plus bonheur, puisque on discours assez souvent, la bien compréhensible ou même pas compréhensible, dépendant de contexte que discours a prononcé. Et je dis, pas de trop de monde. Qui a attendu trop de bagages de Jovenel Moïse. Et l'autre bail qui est important, discours à tout doit accompagner de faits. Discours à tout doit accompagner de faits. Et le président tentait élucider, il tentait exemplifier avec des faits, il vient avec des bagages. Pour l'expliquer, Jean Garisson dit là, il prend exemple 86, il prend exemple 2004, et lui-même pose des questions pour demander est-ce que 15 ans après nous plus bon. Mais dans le contexte, nous y a, là où il y a une réponse, l'abtan dans le président. Une réponse l'abtan dans le président, et à chaque fois que le président a un discours, il est censé retourner avec même bayo. Et je dis à l'IPADI, l'IPAS instruction à Premier ministre là, pour faire ensemble des bagailles, mais il dit qu'un ensemble de décisions, c'est Premier ministre qui va le prendre. Donc, là, dans le contexte, ça, là, après, si parler, il faut que tu as dit 1, 2, 3, 4, mais ça va le faire. Ou bien, si tu as fait une conférence de presse conjointe, ou tu as fait avec Premier ministre là, ou tu as fait une parler, et puis lui-même, il parle, ou bien il parle avant. Pour respecter le protocole, pas qu'on est, ou bien et dans les heures qui suivent pour le ministre de présenter la conférence de presse par là, pour faire suivi à discours. Puisque dans la crise, nous, depuis après 6-7 juillet 2018, là, chaque le président parlait, il annonce un train de mesures. Je dis à lui fait des dénonciations, il explique aux populations des difficultés qu'il gagne. Et flair était quoi que le dit des bagailles qui profond. Dit des bagailles qui profond que nous gagnons comme problème en dans pays a. Mais la très difficile par rapport à contexte n'a pas lucide tout à l'heure pour monde et comme si rive comprendre ou bien essayer comprendre et sa président a expliqué puisque si n'a suivre question journalistio et il plus accentué sur qui le président a démissionné. Qui l'a démissionné parce que c'est ça tout le monde dans la rue a demandé. Et le président lui-même, il n'a pas jamais choisi de répondre très clairement. Même Jean-Garisson dit là, le président répond. Monsieur répond,
et bah c'est m'a songé un côté de discours monsieur a dit que et le président donc si opposition a une commission de passation de pouvoir il dit mais moi président c'est de si on passe son cap fait c'est moi qui pral fait à pral faire à un autre président donc ça veut dire faut pas la même et monsieur dit pour répondre à la question aux journalistes que faut que c'est tout bail net qui sous table là. Regardez ça dans le discours. Donc si tout bail net pour qui sous table là, c'est que discours c'est que mandat monsieur reste mandat monsieur il sous table là tout. Mais c'est un discours politique. Discours politique là toujours conseil de petit piège petit bail la donne parce que pendant monsieur a dit tout bagarre sous table là, pas un problème pour le chita avec commission de passation. De pouvoir écouter M. Stime qui sont bon bagaille, qui ont toute commission ça yo, ni par exemple Équateur, etc. Mais M. dit tout, son pouvoir on peut bali. Donc, comme c'est peuple qui bal pouvoir, c'est peuple là pour remettre pouvoir. Et M. expliqué que, faut nous lire la constitution bien pour nous kawe, qui j'a mon prend pouvoir, qui a constitution bail mon pouvoir. Donc ça veut dire, quelque part, monsieur voulait expliquer tout que n'est pas besoin de chita attendre comme s'il bral si on l'aide de mission Bayo pour dire que le pas là encore sans pas contre qui moun li bral remettre pouvoir sans pas passer par les urnes sans pas passer par les élections. Un petit monsieur Marco. Pour nous parler là bon bah président utilisé nous songer Pascal avec Jean-Chemin. La dernière transition. Et me salue de Nexayo. Oui. Parce que président, la dernière transition, c'est extrêmement important parce que eux, ces deux jeunes, ils sont extrêmement intelligents et très politiques. Sur un discours, une conférence, que le président voulait jouer au rôle. Ça, bon, m'a posé peut-être ma question, est-ce que c'est eux qui m'a dit président dit ça, ou bien c'est le président Tendez qui utilise eux. Question m'a posé eux de manière claire après ça. Mon cher, nous sommes dans un échange avec Georges Mila sur la question dernière transition, que moi je ne suis pas d'accord. Et lui-même n'a pas avancé des données. Il dit qu'on aime vouloir dernier à tout, il dit que je voulais dernier. Même beaucoup croient ces moments que nous avons une dernière transition. Et nous ne sommes pas d'accord. Il faut nous avoir une dernière transition. Il faut nous gagner. Mais je pense que le président qui a parlé de dernière transition, président, les. Raté momentum. L'homme d'Ab dit ça en octobre année dernière, si le président était pensé faire ça deuxième lundi janvier 2019, là, avant que crise a été pris, à lui que le bras là, il a une chance pour le faire dernière transition. Mais le président n'a pas trouvé le conseil à l'heure, et qu'on est à moins très difficile pour dernière transition en fait. Et le président, Jean le Paléa, c'est lui-même qui a à la tête dernière transition la Paléa. Donc, il est très difficile. Et je pense que le président connaît tout, qu'il est très, très, très difficile pour c'est lui-même qui est en tête de dernière transition. Et Josh Mi avec Pascal, donc, il n'y a pas de dernière transition. Bon. Et je me dis, bah, il y a, mais c'est compris, oui, on y reviendra. Mais opposition à tout a parlé de dernière transition. Il n'y a pas venu avec le thème de dernière transition, mais il dit son transition pour nous la donne, pour nous résoudre tout problème pays à gain. Mais, d'un côté et de l'autre, que c'est côté président, que c'est côté opposition, et Josh Mi avec Pascal qui font proposition, mais c'est comme si les gros font bel plan, les gros contre un gouachitec qui font bel plan, mais le roi aller sous terrain, ou dit quête, comme ingénieur, ou pas qui côté ou pral implanter là. Donc, implantation que nous allons faire là, Powell. Donc, ça, nous avons dit à son bel bagaille pour nous faire une dernière transition. Et nous avons vu un paquet de points que nous sommes d'accord avec eux. Mais, et pas sous terrain politique nous sommes là. Ce n'est pas dans la période politique que nous sommes là. Parce que la période nous sommes là, sont période de grands enjeux. Sont période côté gagnant de grands intérêts qui a joué. Et groupe pas soudé. Donc, on a tout qu'on a goûté ensemble, on ne peut pas souder. Donc, la difficile, quand Jovenel Moïse rete pour M. Tafon, dernière transition, la difficile tout, pour Jovenel Moïse, comme si M. devait demain matin, M. démissionner,
C'est que monsieur dit pas faire, parce que s'il fait, ils sont irresponsables. Comme si monsieur t'a démissionné demain matin, et puis nous avons toute couche dans l'opposition qui unit, et puis qui dit qu'il va mettre jalon pour la dernière transition. Bon, là encore, un peu cool. Mais, discours président dans l'ensemble, et son discours qui voulait dire, ça veut dire, et parce que Gary se explique un pile bas à la donne, et moi-même, je prends son autre angle, m'expliquer des aspects en dedans, donc ça montre nous que discours a ligo contenu. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas évaluer le contenu discours président, nous juste plus ou moins permettre que nous comprenions en termes de contenu qui sa discours a la donne. Et dans le contexte politique, nous y a, qui sa discours président qu'a vle dit. Parce que, ou bien pour le président fin fait discours vers là, et dans le niveau palais national, dans le niveau entourage président, il senti président saute bien passé, monsieur fait un gros discours, président doit se sentir satisfait, puisque, nèg qui, d'après lui même, c'est eux même qui, système qui voulait renouveler à chaque fois, dans la tête président, il doit dire, mais nèg ça yo, mais tout, bon, pile monde qui doit dire, il était passé président d'après, et dit, mais qui est-ce qui est dans le système, nan, mais qui monde qui bat le problème, mais qui solution que la prend, même j'entends que les gens qui sont dans l'opposition, qui doivent attendre que le président d'avant devienne, monsieur Tap dit, moi-même démissionner, ok, et je vais remettre Nego Cléa, je vais remettre PIA, et après 6 semaines, je constate que l'école n'a pas ouvert, que pas de sécurité, et que la population n'a pas vaqué à l'activité, vous prenez pour ensemble de raisons ça, ça fait besoin de discours Jean-Claude Duvalier, et bien monsieur dit, donc pour éviter un bain de sang, en d'enveillant, donc il y a une démission. Donc il y a une démission. Mais moi-même, je ne sais pas si je vais venir comme ça aujourd'hui, puisque le président va faire un discours à midi. Et à midi, il a fait. Et le discours Jean-Claude là, et à midi, il a fait. Et la Russie a parlé dernièrement, bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il devait kidnapper, il y a quelqu'un qui dit qu'il devait démissionner, mais tout le monde, c'est. Et dormi, le lever demain matin, nous avons un président. Le président pas là. Et coup d'état autour, les affaires, par contre, la journée et la nuit. Ok, ça fait longtemps, tu es en courant. Chaque fois, on prend courant, on dit ah, depuis que le blackout général, on nous dit, il y a un coup d'état. Et qu'on salte. Bien, donc, de toute manière, moi, on va laisser garder pour moi comme cabot des questions puisque t'as suivi conférence et le bail que noté depuis l'intervention Garien que le déjà souligné et même approfondir. Mais un bail qui est très important, c'est que m'a regardé une série de mots président utilisé le non dit puisque le noté question ou n'a par exemple président parlé de 30% un seul monde prend, il dit avec 30% ça t'a bail environ 76 000 monde travaille. Il parlait de programme à tête plate que vous avez souligné à l'Ungaï et que vous avez fait à 1% à 20 000 personnes. Il n'a pas même arrivé dans 10 000. Ça veut dire jusqu'à cette présente minute. Et il y a des gens qui disent 5% peuple haïtien à l'aise là-dedans, ils payent bien ou pas qu'à venir avec 1%. Est-ce que quelque part, président, pas non seulement identifier des éléments du système et qu'à recycler le système à chaque fois, mais il dit peuple haïtien, pendant nous prenons comme problème, mais on garde levé gène garde nèg banque ça yo dans question inflation en tout mais dans question pourcentage y a prêté nous l'argent pendant n'a mandé pour m'aller hein font passer mais prend moun ça yo tout mandé ou di yo 5% trop parce que m'ta bali à 1% pas d'accord font passer ouais pour ouais si yo ta mettre là 2% parce que me croit que gon message que président veut faire passer mais de l'autre côté l'on parler de tête ensemble qui doit gagner dans dialogue et que le parler de calme et sérénité dans le discours, hein? Je crois que le président a dit tout, violence pas résoudre le problème. Non. Il voulait parler avec l'opposition quelque part pour dire que ça qui a passé aujourd'hui, hein, mandem pour m'aller dans la violence, dans la crase brisée, pas bon. Et donc, il m'a dit calme et sérénité. Et c'est là où je rejoins GPPC, quand il dit.